Bonjour tout le monde. Nous voilà encore en route pour aller au marché. Et Ambre, elle est bien arrêtée. Bouge pas sous un Cerisier. cerisier? Je sais pas. Je sais pas comment, je connais rien du tout. Un arbre fruitier, je n'ai aucune idée ce que c'est. Mais c'est très joli. Ouais. Mais Ambre, elle avait déjà pris en photo il y a quelques jours. Elle a mis la photo sur la communauté, non? Tu l'avais Oui, mis? Ouais. mais je résiste pas parce que à chaque fois que je passe, il faut que je les regarde. Ouais, c'est très 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 beau. Donc, vous voyez un peu le ciel. Je vous montre que le ciel, rien d'autre que le ciel, rien que pour vous. Pour vous faire râler un peu et enrager un peu. Bon, alors, on va grimper la côte. Fait toujours beau ici. On va grimper la côte et on va aller faire un tour au marché. Non, cette fois-ci, j'installe pas mon stand. Oui. Non, 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 c'est bon, j'en ai assez, ça suffit. Et on va pouvoir être ensemble pour faire tout le marché, Voilà. pour décortiquer chaque truc qui se vend et Bien tout. évidemment. Et puis ensuite, à la fin, on va se prendre un poulet frites. Enfin, on va s'asseoir ensemble pour manger le poulet frites. Bonjour, Messieurs, monsieur. allez, Enfin. c'est parti, on va grimper la côte et puis là je vais arrêter parce qu'il faut économiser notre souffle. Oui. C'est assez raide là. Regardez comme ils sont beaux, les orangers. Magnifique, plein d'oranges. Et attention, nous sommes quand même, nous sommes lequel aujourd'hui? Le 7 ou le 8? Le 8? Je sais pas, peu Peut-être, je importe, sais 8. plus. Il me semble que nous sommes le jeudi. En tout cas, nous sommes le jeudi, ça c'est sûr et certain, parce que le marché c'est toujours jeudi, premier jeudi du mois. Je crois que nous sommes le 8, mais peu importe. Nous sommes le deuxième jeudi du mois de février 2019. Voilà. C'est tout ce qu'on veut savoir. Et voilà, marché aussi, c'est l'occasion de se retrouver et de papoter, bien évidemment. Et pas que pour nous, hein. Regardez, il y a partout. On se retrouve, on dit bonjour, on papote. Mais c'est ça aussi le marché. Ça sert de lieu de rencontre. Voilà, on va aller un peu plus loin parce que c'est un peu plus loin. Il y a beaucoup moins de monde, enfin beaucoup moins de commerçants qu'en décembre quand j'étais venue. Et donc, tiens, il y a André là qui nous fait un petit Bye coucou. bye. Donc, il y a beaucoup moins de monde, mais on va aller faire un tour. Et en plus, jusqu'au bout, il y a le resto. On va manger poulet frites tout à l'heure. Et poulet, il y a tout là. Oh, les pauvres. Ça enferme comme ça là. Et gros. Oh, les poussins. Oh, vous êtes bien bruyants, vous. Ils sont vraiment entassés là, mais bon, mais c'est juste pour la vente et pour le transport, parce qu'après ils sont en liberté. Et ça caquette, ça caquette. Trop mignon celui-là. Après il faut les tuer, ouais, et ça, franchement. Je ne sais pas faire des bols, des bassines, des seaux. Regardez, un seau, 1 €, trois seaux, 2,50 €. Oui, non, mais je ne sais pas trop quoi faire avec les seaux. C'est bien pratique, oui, quand on a l'utilisation. Là, j'aurais peut-être besoin de temps en temps. Mais l'inconvénient, que c'est pas pliant. Donc après, comment faire pour le ranger? C'est ça surtout après. Les arrosoirs. Les petits machins pour faire le barbecue.
les entonnoirs, plein, plein, plein de choses plus ou moins intéressantes, mais qu'on n'a pas vraiment besoin. Ambre, est-ce que tu trouves ton bonheur? Non, parce que mon bonheur est déjà dans mon tout y est déjà, voilà. Donc, tout va bien. Le mini balai. Les gamelles, toutes les gamelles en vrac, là, vous avez vu le prix? 3 pièces pour 2,50 €. Là, vous faites votre choix. Mais tout ça, il y en a déjà plein dans Foxy. Voilà. Ça, c'est pratique, ça, ouais. Non, mais y a pas plus. Gamelle pour le chien. Tu voulais pas une gamelle pour Cassie? Non, non. Regarde, il y a des gamelles là, qui sont plus costauds pour l'eau. Oh non, mais c'est immense ça. Bah écoute, c'est pas vraiment beaucoup plus grand que ce que tu as actuellement, hein, parce que ça prend beaucoup de place quand même, ton... Non. Ta gamelle là, que tu as actuellement. Paillasson. C'est 2 ou 3? 2. 2. 2,85. Toi, tu as un 3. Ouais. 2,85 le paillasson. C'est pareil, il y en a aussi. Alors le paillasson là en vert là, franchement, à tous ceux qui connaissent pas, je ne le vous recommande pas. Ah, ça pique beaucoup, ça s'abîme vite. Ouais, après, c'est les petits picots, ils s'arrachent. Ouais. Alors, ça, et ça fait très manche après, ouais. Non, c'est horrible. On en met partout de ça et je vous conseille vraiment pas de l'acheter, c'est même le plus cher d'ailleurs. Oui, c'est le plus cher en plus. Je vous conseille plutôt, voilà, le basique. Ça, comme ça, ou ça, ou ça, ouais, voilà. Ouais, ouais. Celui-là, j'aime bien les... il est même encore mieux, celui-là, parce qu'il a les petits picots. J'aime bien celui-là en demi-cercle, j'aime bien. Je trouve ça joli. Je ne vais pas dire le contraire parce que j'en ai un. Ben voilà, et en plus, le tien, c'est vrai, il est plus joli que celui-là. Oui, c'est vrai. Le dessin est plus joli. Bon, ça c'est pour les bêtes, ça ne nous intéresse pas vraiment. Nous sommes au stand de vêtements. André m'a dit là les... Ah oui, là, André elle va avoir à côté. Des chaussettes, des chausses, des chaussons. Des chaussons bien épais. Mais les couleurs sont très ternes, j'aime pas les couleurs, c'est pas vraiment gay, c'est certainement très très, très chaud. Et j'ai déjà deux, non, trois paires. Non, je te dis une nappe, viens voir les légumes. Attends, une seconde. C'est énorme. Les légumes, nous avons quoi? Ah oui. Oignon, poivron, courgette, patate douce, et tout est à 1 €. Bon dia, signor. Tout à 1 €. Tout est à 1 €. Des pommes, des poires. Je choisis moi-même. Tomates, et en plus tu choisis. Alors des patates, patates douces. Ouais, c'est très bruyant en face là. C'est le... Ouais. Alors ça par contre ça se conserve bien. Oui. Comme les pommes de terre. Mieux, et ça, ça mieux. Se mange chaud ou froid. Mieux que les pommes de terre. On peut les préparer salées. Mais moi, de temps en temps, j'ai même déjà fait sucré. Oui, je fais un dessert. Je fais un genre de velouté un peu plus épais. Et c'est très très bon en dessert aussi. Voilà, Ambre, elle est en train de remplir son sac. Ah oui, là, qu'est-ce que tu fais content des oignons. Qu'est-ce que tu prends là? Oignon. Qu'est-ce que tu as pris? Patate douce, oignon. Et je vais prendre des avocats. Les avocats sont à 1 € le kilo aussi. Purée. Ah, je m'éclate là. Ah ouais, elle s'éclate là, vraiment. Et n'oublie pas tes tomates. Oh, je peux pas. Je demanderai une autre poche pour mettre ouais, le reste. Pour les tomates. Et puis ensuite, ben, on va manger en face. Tiens, il y a André qui est déjà installé. Tranquille. C'est ce qui est bruyant là, c'est ça. C'est le groupe électrogène. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Mais ils ont besoin quand même d'électricité, hein. Et le rôtissoir. Allez, le poulet nous attend. Donc voilà, le marchand, vous voyez là dans mon dos, le marchand de légumes, tout est à 1 €.
Donc en fait, vous prenez une poche, vous mettez dedans ce que vous voulez, et puis il pèse, et après vous payez. Alors Ambre, elle vient de prendre trois grosses poches. Elle est repartie avec trois grosses poches de légumes, fruits mélangés. Non, fruits, il n'y a pas de fruits, pardon. Elle a pris des patates douces, elle a pris des tomates, bien évidemment. Si, il a des fruits, pardon, des poires, des pommes. Elle est repartie avec trois grosses poches remplies, elle a payé 5 euros. Et moi, je viens de prendre deux avocats, déjà prêts à manger, vraiment tout prêts, hein, il ne faut pas attendre. Et deux belles patates douces, j'ai payé 70 centimes. Donc là, franchement, je regrette un peu d'avoir pris plein de légumes au marché des légumes samedi dernier, parce qu'ici, franchement, c'est pas du tout le même prix. Voilà, maintenant, le poulet nous attend. Mesdames, vous attendez le poulet? Non, même pas, elle n'a pas commencé. Ouais, mais on va pas tarder. Tant pis pour François. Tu prends du poulet aussi? Oui, il est autonome. Il est parti pour un coup avec Pierre. Ah oui, Pierre, il nous a invité de prendre l'apéro chez Miguel. Oui, parce qu'il l'a réservé chez Miguel. Oui. Ah, ben bah alors on y va. Hein. Oui. J'ai réservé la place sur un coup de monde après. Ah. Je bois pas, moi. Oui, non, moi non plus, je bois pas midi. Tu sais bien, mais moi, l'alcool, midi, ça me réussit pas. Oui, je voulais te dire une chose. Oui, dis. Donc le monsieur, il ne fait pas de tri dans les légumes, fruits que j'ai pris. Oui. Il a tout mis sur la balance. Oui. J'avais 5 kg 320 et il m'a fait à 5 euros. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Il a donc arrondi. Et t'avais fait voir ce que tu as là. Parce que j'ai dit, mais t'es parti avec trois poches pleines de choses. Oui. Ah ouais, non mais là je... Et t'as mis les avocats au-dessus, pas en dessous, hein. J'ai des avocats, j'ai des oignons. Ah oui, des oignons aussi, j'avais oublié les oignons. Tomates, courgettes. Il y a vraiment tout. Ouais, les oignons, ils sont magnifiques. Un sac, il y a deux sacs encore au fond deux poches plastiques encore au fond du sac. J'ai pris beaucoup de patates parce que ça se conserve bien. Des pommes aussi, elle a pris. J'ai pris des petites pommes parce que je vais les faire cuire. Ouais. Elles sont magnifiques. Ouais. J'ai pris beaucoup de tomates. Oui. Et courgettes, voilà. Les courgettes, je les ai payées à un prix fou au marché. Et tout ça, 5 euros. Voilà. Donc, comme je viens de dire à nos chers amours, je regrette pratiquement d'avoir fait les courses samedi dernier chez le maraîcher. parce qu'ici, il y a tout ce qu'on a besoin. Là, j'en ai pour longtemps. Ouais. Voilà. Et les prix ne sont pas les mêmes, surtout. Et les prix ne sont pas les mêmes. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On attend là, on reste là. Oui, ouais. On va attendre le retour et on va commander le poulet. Mais hop. Toi, si tu vas aller, tu y vas. Mais non, bah, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je suis super contente parce que c'est la première fois depuis qu'on est ici que Krissa vient à table avec moi. Et ça, c'est les voisins, bah, Théo. Alors. Et Vic, là-bas derrière, c'est le maître de Cassie, le chien. Aujourd'hui, je suis super contente parce que Krissa est assise pour la première fois au marché. T'es pas derrière ton stand. Yes, et ça c'est bien. Yeah, je suis super contente. Bah, moi aussi. J'adore les marchés. J'adore les marchés. Même si j'achète rien, mais rien que pour me balader au marché, j'adore ça. C'est génial. Donc j'en profite un max là. Et oui, parce que la dernière fois, elle était avec Gifke, c'est l'épouse de Théo, pour vendre leurs petites choses. Oh, ça c'est de la farine de maïs. Et Vic est le maître de Cassie, le chien. Donc, voilà, on se regarde. On va vous montrer. Oh, vous l'avez déjà vu, mais bon, mais ça fait toujours plaisir de le revoir. André aussi, elle se régale. Elle avait peur que c'est trop salé, mais finalement, ça non. va. Hein? Juste bien. C'est juste bien, parce qu'ils ont une marinade. Qu'est-ce qu'il y a dans la marinade? Il doit avoir des herbes. Je vois des herbes. Je vois un peu du poivre. Mais en tout cas, on s'en fiche. C'est super bon. On se régale avec une assiette de frites. C'est tout simple. Et c'est super bon. Ça n'existe pas. Hein, on peut pas faire, on fait pas de frites en camping-car, donc on mange des frites ici. Voilà. De temps en temps, c'est vrai, il a l'envie de frites qui me prend comme ça, moi aussi. Et on mange avec les doigts.
on mange avec les doigts. C'est parfait comme ça. Voilà. Et puis, si on ne mange pas tout, c'est pas grave. Il y a des fauves à la maison qui vont se régaler avec ça. Marcotte et Maria, elles sont très très bonnes. Même pour moi, hein. Voilà les reliefs de notre repas. Il ne reste pas grand chose. Oh, qu'est-ce qui reste? Des os. Des os. Des os. Voilà. Un bout de lard. Un bout de lard. Mais c'est de l'os. Ah, non, tu peux grignoter un peu là. Regarde. C'est qu'elle me dise loulou. Mais à la maison, elle me dirait arrête de manger ça. Voilà, et François qui n'aime pas manger avec les doigts, mais était obligé de manger avec les doigts, là, et voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous avez bien mangé? Ah oui, ouais. C'était super bon. Et toi, André, t'as bien mangé? J'ai un goût de reviens-y, je reviendrai le premier jeudi du mois prochain. D'accord. Et toi, malgré le fait d'être obligé de manger avec les doigts, t'as bien aimé quand même? Ouais, tout est dit, là. Tu amèneras ton couteau la prochaine fois. Tu amèneras ton couteau, voilà. Alors, voilà, mais là on attend la petite serveuse pour payer et puis voilà. Donc voilà, marché terminé, repas terminé et nous sommes chez Miguel pour prendre un café. Voilà, voyons voir c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Jolie fresque, ou c'est ce qui bip là, je crois que c'est l'alarme. La télé, bien évidemment. Et tout en haut, sont des trucs en liège. Je ne sais pas trop ce que c'est. Tiens, il y a des connaissances, là. Vous attendez quoi, là? Toujours les mêmes. Là, c'est café. Bon, alors, on va attendre le café. Bon, nous voilà, retour chez nous, tout le monde, les chiens dans notre village, tout le monde. François, il est chargé comme un âne parce qu'il porte les courses de tout le monde. Une bourreau. Escorté par les deux chiens. Tout à l'heure, André, elle est arrivée avec les deux chiens. François, il a appelé Nuts. Il a dégagé. J'ai pas eu le temps de dégainer la caméra. Il était déjà arrivé. À fond la gamelle dès qu'il avait vu son maître. C'est vrai qu'il avance, il court comme un lièvre. Oui, c'est mon bébé. Et là, j'ai un tout petit problème de vis avec la porte de ma douche. Alors François, comme des fois il ne sait pas quoi faire, il va venir regarder. Et pour qu'André ne soit pas jalouse, on va asseoir André sur le lit et comme ça il va surveiller son homme. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On fait des gros bisous. Ciao. Il peut pas. Et encore un petit bout de ciel bleu. Un ciel bleu sans nuages.